Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai un assistant. Voilà, et une assistante Fifi comme d'habitude. Alors, mon assistant c'est Mathis, mon petit-fils, qui va faire un petit défi avec moi. On va faire chacun une carte. Lui ce sera sa première carte, hein. Il n'en a jamais fait, tu n'en as jamais fait, hein. Non. Voilà, donc on va faire une carte tous les deux. Puis on vous montrera le résultat à la fin. Voilà. Là, on va baisser la caméra pour que vous puissiez mieux voir et puis enlever Fifi qui elle ne fait pas de carte. Alors, on va baisser un peu la caméra pour que vous voyez mieux sur notre table. Voilà. Allez, on va donner à Mathis une carte. Là, vous les connaissez, c'est les cartes d'action. Voilà. Alors, Mathis, il a choisi les stickers 3D avec les petits animaux. Il a choisi aussi, donc il va voir ce qu'il va mettre, hein, des petits stickers animaux comme ça en feutre. Et là, tu vas choisir la feuille que tu veux. Il va choisir une feuille. Et moi, je vais faire... Je vais prendre avec les canards. Ah, non, pas les canards, c'est les poussins. Et moi, je vais choisir cela. Voilà. Fifi, elle va déjà nous faire tomber la caméra. Ça commence bien. Voilà. Avec, comme fond, je vais prendre celui-là, la carte. Et puis, bon, il y a des petites bricoles qu'on verra si on met après. Voilà. Alors, on va déjà expliquer à Mathis. Hein. Oui, hein. Parce qu'elle, tu vois, elle est trop grande par rapport à la feuille. Alors, tu veux que je te la coupe ou tu vas la couper? Je te la coupe. Alors, on va couper la feuille à Mathis. Mais après, Mathis, il va faire tout seul. Alors, on va la couper à 14,5, comme je fais d'habitude. Bon, là, j'ai pris que mes ciseaux. Du coup, je vais faire au ciseau. J'ai oublié de descendre le cutter, mais bon, c'est rien. Voilà. Voilà. Donc là, je vais lui couper sa feuille déco. Comme ça, après, il va pouvoir la coller. Voilà, comme ça elle est aux bonnes dimensions. Voilà, tu vois, tu vas pouvoir la coller comme ça. Donc tu utilises la colle que tu veux, il y a le bâton ou il y a la colle liquide. Tu utilises celle que tu veux. Collage, si tu sais faire, t'en fais à l'école. T'en as fait. Ça va, le bouchon, il... Avec la chaleur, ça se décolle. La colle, elle est un peu liquide. Allez, pendant qu'il colle, moi je vais faire la mienne. Donc je fais les mêmes mesures. Tu mets bien droit. Attends, on va mettre un peu plus droit. T'as mis de la colle partout. Voilà. C'est bien. Tu l'as mis dans le bon sens, hein? Oui. Voilà. Maintenant, tu peux décorer comme tu veux. Tu as des rubans, tu as tes petits personnages. Il y a des perles, si tu veux mettre des perles. Si tu veux recoller des bouts de papier. Hop. Allez, on va l'ouvrir. Et voilà.
un petit Brad. Bon là, mamie, elle est pas en avance du coup. Hein, bah non. Comme ça, attends, non, là, tu vois, il y a un autre autocollant, hop, voilà, ici. Voilà, moi j'ai coupé mon fond. Ça colle. Tu veux mettre des rubans? Ils sont autocollants aussi, donc tu t'embêtes pas. Et s'ils sont trop longs, tu les coupes. Des fois il colle là avec la chaleur, hop, voilà. Donc moi j'ai déjà fait mon fond comme ça. Donc là c'est une carte toute simple hein, qu'on se fait. Hein. Oui, c'est normal. Tu coupes ce qui est en trop. Et ce qui est en trop, tu le recolles sur le papier. Je veux faire jusque derrière. Ah, si tu veux faire jusque derrière, tu peux. Hein. C'est ta carte. C'est ta carte, tu fais comme tu veux. Ah, ça y est, attends, donne, on va le décoller. Non, t'inquiète pas. Oh, tu coupes, voilà. Fais rien. C'est le début. Ah, bah voilà. Il a déjà les techniques. Quand il se trompe, il s'est corrigé. Super. Voilà. Tu veux mettre des perles? Tu veux mettre autre chose? Donc, regarde, tu ouvres là. Tu vois? Ah, bah alors, mamie, elle se colle les doigts sur le ruban. Voilà. Ah, bah tu vois, super. Tu veux montrer ta carte à la caméra? Elle est jolie, hein? Hein? Oh, t'entends pas? Moi, elle est plus bien. Oh, mais toi, c'est ta première. Moi, ma première était moche, t'inquiète. Mais la tienne est très jolie, avec les chats. C'est qui? Fifi ou... Fifi. C'est Fifi? Ah. Elle est plus grande.
Elle est plus grande, ouais. Ouais. Tu veux en faire une autre? Il y a encore une carte. Ah ouais, Fifi, pousse-toi. Si tu veux en faire une autre. Attends, je vais te donner du papier. Voilà, vas-y, choisis. Mamie, elle met de travers. Ah bah c'est bien. Alors voilà. Ouais. Tu veux couper? Allez, on va mettre des petites perles aussi sur la mienne. Tu vas découper, comme c'est des carrés, regarde, tu vas le prendre et tu vas couper le long de la ligne. Au moins, là, il n'y a pas besoin de faire de trait. T'as vu? Super. Tu peux couper la carte, sinon tu vas couper la carte. Voilà, et puis tu coupes l'autre dans l'autre sens, comme ça tu seras bien. Ou coupe plutôt là, parce que tu avais été de travers, tu vois. Comme ça tu vas faire droit. Bien, en plus ça fait ça super super droit. Ah, on va mettre ta carte là devant, tu vérifies sur ta carte si c'est bon. Ouais, oui, c'est bon, alors on peut coller. Bien de la colle, oh, putain, une boulette là. On va enlever la boulette. Ça colle bien. Là, tu vas mettre quoi? Le lapin? Après, tu veux mettre quoi? Du rose, non, du gris, non, des petites fleurs. Vas-y, tire. Ah, c'est parce qu'il y a une agrafe. Attends, de la agrafe, voilà. Le ciseau. Super. Il est bien appliqué, hein, vous avez vu, hein, il s'applique. Hop, on va récupérer. Non, là on ne verra pas, c'est bien. Voilà. Tu veux faire quoi d'autre sur ta carte?
peux mettre un bout de papier uni, collé, peut-être là. Non? Oui? Non? Tu veux en mettre des renards? Avec le lapin? Ah oui, si tu n'enlèves pas le papier, il ne va pas coller. Voilà. Les petites perles. Ah, ça reste collé à tes doigts. Non, non. Ah, c'est parce que le c'est resté dessus. Il veut pas. Il veut rester collé à tes doigts. Allez, on va prendre un autre, c'est rien. Voilà, c'est tout? Tu rajoutes rien? Non? Bon, bah tu montres ta carte. Et tu demandes, tu dis, est-ce qu'elle est belle ma carte? Vas-y. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Allez, tu remontres la deuxième. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Allez, à moi. Voilà, la carte que moi j'ai faite. Voilà, bon, elle est toute simple. Ouais, ouais, ça fait des années qu'ils l'ont fait, oui. Toi aussi, tu vas en faire d'autres après. Oui, attends, on va remontrer ta tête. Coucou, nous revoilà. Tu vas refaire des cartes après avec mamie? Ou autre chose? Hein? La fimo, t'aimes bien aussi, hein? Ouais. Une prochaine fois, on fera de la fimo. Qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre une prochaine fois? Du dessin. Puis quoi? Encore des cartes. Du bricolage. Après, et encore de la fimo? Ah, plus fort. Vas-y, n'hésite pas. Et après, encore d'autres. Encore d'autres. Puis tu vas apprendre comment mamie elle fait ses poupées. Pas non. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Hein? Mathis, il était content de faire cette vidéo. Tu étais content? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à mes copines à la vidéo? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Super. Alors là, c'est super. Allez, on vous laisse pour aujourd'hui. On vous fera d'autres vidéos avec Mathis ou avec tes sœurs aussi. Hein? Mes sœurs aussi, elles font des vidéos avec moi. Et donc, on fera d'autres défis de cartes ou de fimo, on verra. Voilà. Alors, comme Mathis a dit, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Mathis, il vous fait des gros bisous aussi. Ouais, allez. Allez, dis. Des gros bisous, comme ça. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Mathis ou les autres. Voilà, à bientôt, au revoir.